comment vas-tu ce matin? Ça a l'air de bien avancer sur VNB Mayenne. Écoute, ouais, comme tu peux le voir, là, ça avance un peu. Et du coup, ça fait du bien, ça veut dire qu'on va vers du temps quand même meilleur. Qu'est-ce que t'as comme condition? On est grand voile haute, et ça c'est cool parce que ça fait plus de 10 jours, je pense. Et ça veut dire qu'on va vers du mieux, donc ça fait du bien au moral. J'ai du vent à peu près stable au... On va dire 25 nœuds, et la mer commence tout doucement à se calmer. Mais j'irai pas encore en haut du mât pour faire mon check, tu vois. Pour l'instant, c'est un peu chaud, quoi. Donc, ça vient, tranquillement, ça vient. Ok, écoute, toi, t'as l'air en forme. Malgré tout, vous êtes parti depuis bientôt 34 jours. C'est ton premier Vendée Globe. Moi, je voulais savoir si... Bah parfois, le doute s'installait. Est-ce que de temps en temps, tu te dis « mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ?» Ou est-ce que tu assumes complètement ? Écoute, non, j'assume. C'est sûr que j'ai eu des coups de mou, hein, sur la descente de l'Atlantique notamment, où c'était un peu monotone. Je me dis « waouh, 3 mois, ça va être long. » Donc voilà, je me suis fait ma petite introspection, mais là maintenant, ça y est. Dis-moi, ce matin, Charlie nous disait qu'en fait, en avançant vite vers l'est comme ça, vous changez quasiment toutes les heures d'heure solaire. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te perturbe ? Là, depuis qu'on a un fort décalage horaire avec le soleil, c'est vraiment perturbant et ça se décale quasiment de 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Donc c'est difficile de trouver un rythme en lien avec ça. Forcément, on dort pas de la même manière. Je voulais savoir quelle relation vous entreteniez, vous, les coureurs, parfois au quotidien, avec l'ADC ? Énormément de WhatsApp, à la fois en tant que copain, mais aussi en tant que lui, DC. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fort. On sent qu'on a un vrai soutien et un vrai suivi derrière nous. Voilà, on sait qu'ils sont là. Quand on voit le travail qu'ils ont fait avec Kevin, franchement, chapeau. Non, c'est nos anges gardiens sur cette course.